Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau stream. Ce soir, on va découvrir Rust. Je vais découvrir Rust, vu que j'en ai souvent entendu parler et j'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Donc il paraît que c'est un jeu qui est très difficile de survie, dans lequel il faut redouter en particulier l'humain, qui a une tendance à nous tirer dessus assez rapidement. Et on va essayer de voir ça ensemble. Par contre, j'espère ne pas être trop mal jugé, hein. C'est vraiment ma première game, donc je ne connais absolument pas le fonctionnement. Je vois donc qu'on a seulement une torche et un caillou. On va voir ce qu'on peut essayer de faire. D'accord. Là, visiblement, je suis sur ma petite île. Pas récupérer du bois. Je vois marqué bois plus 5. Casse-le! Bon, après le jeu est en alpha, hein, donc il y a certainement pas mal de petits bugs. D'accord. Alors là, j'ai rejoint un serveur français sur lequel je voyais une trentaine de joueurs. Donc ça me semblait pas trop mal. Ils prétendent ne pas agresser tout de suite les nouveaux joueurs. Qu'on ait le temps de s'y retrouver. Pourquoi ça? Ah, mais c'est ma vie ça. Bon, et je suis trempé. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est que je trouve la touche pour mon inventaire. Ça pourrait se révéler utile. Ça, c'est pour parler à proximité des joueurs. D'accord. Ah, voilà. Donc j'ai récupéré du bois. D'accord. Bon, voilà. Donc là en fait je suis nu comme un ver et je sais pas très bien ce que je pourrais essayer de faire pour commencer. Je vois que j'ai une barre de faim, une barre de soif, une barre de vie, que je suis trempé à 17%. Une porte d'entrée à cette baraque? Ah si, d'accord. Avec des pics. Bon. Bah tant pis, hein. On va aller voir ailleurs. Je vais essayer de récolter un peu de bois. Souvent, c'est dans les jeux de survie, ça commence par le bois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caillou? C'est de la pierre, je suis en train de récolter de la pierre. Et du soufre, d'accord. Récoltons, hein. Ça a l'air d'être un bon jeu de farming aussi, hein, au niveau des ressources. Faut pas être pressé.
l'impression que c'est la barre de vie en fait que je vois là, 247 sur 500. Là, visiblement, je casse pas le bon caillou. Ah, mais il y a une autre maison là-bas. Il doit y avoir quand même un moyen de couper le bois un peu plus vite. On va voir si on peut se faire une hache. Si c'est beaucoup de bois, le plus 10, plus 10, plus 10, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça représente. Ah, il n'y a plus, cassé. Donc j'ai du bois, j'ai de la pierre, j'ai des choses aussi. Ah, pierre, d'accord. Donc, on peut faire des feux de camp avec le bois, du soufre. Je récupère du soufre aussi avec du minerai de métal. C'est peut-être une erreur de traduction là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire? Une hache en pierre. Il me faut 200 de bois et 100 de pierre. Faire du papier, oui. Verrouiller. D'accord. Et là, je suis dans quelle catégorie? Hall? Ah oui, construction. Item. Peut-être d'abord essayer de se faire une hache et une lance aussi, ça pour se défendre. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ouais, bon, on va se faire une hachette et une lance. Créer. 30 secondes. Ah, faut attendre. D'accord. Et je peux jouer pendant que je suis en train de la créer? Ah oui, je peux continuer à faire des choses. D'accord. Bon bah on va collecter hein. Si on ne pas perdre de temps, on va justement optimiser son temps. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qu'on pourrait croiser et on pourra avoir de mauvaises surprises. Surtout que je suis tout seul, donc j'ai personne pour m'aider en cas de problème. Voilà, j'ai une hachette. Très bien. On a dit qu'on allait se faire une lance aussi. Ah bah oui, effectivement, je passe de plus 10 à plus 20. On récolte effectivement beaucoup plus vite qu'on a les outils adéquats. Ah, mais je suis en train de voir qu'il y a une durabilité aussi pour les objets. La barre verte qu'on peut voir à côté de la pierre, en fait, c'est la vie. Je pense que quand ma barre verte sera tout en bas, mon objet sera cassé. Donc je peux casser mon caillou. J'ai pas récolté ça. Putain.
peut pas récupérer des fleurs. Quel dommage. On va récolter un peu de caillasse. Faut que je me fasse une pioche maintenant pour casser le caillou. Alors si jamais vous vous posez la question, hein, pour le moment je suis tout seul sur le jeu, enfin, sur le jeu, je ne joue pas avec Swag, elle n'était pas particulièrement intéressée par ce jeu, mais peut-être que dans l'avenir, on verra si elle me rejoint sur les streams. Allez, je veux de la caillasse. Dans le vide. Oui, c'est un petit peu lent le début. Mais bon, c'est un peu comme tous les jeux de survie finalement, faut faire avec, avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça a du mal à charger tout ça. Ah, je suis en train d'user tout mon caillou, mais je ne sais pas comment je vais faire après une fois que je l'aurai plus. Hein. Je sais pas si je peux en récupérer par terre des blocs comme ça. D'accord. Mais casse. Ok, mon caillou est cassé. Voilà, je vais prendre ma torche, j'ai ma lance pour me défendre. Du papier, qu'est-ce que je fais avec du papier? Ah, j'ai Caprico qui me parle. Caprico, c'est Trandel en fait, avec qui parfois on est amené à jouer. Bon, feu de camp, caisse de stockage, d'accord, barricade, des portes, oui, les barreaux, enfin les barreaux. Ah, une pioche. Voilà, c'est ce que je voulais chercher. Il me faut du bois et de la pierre, et ça tombe bien, j'ai les deux. Voilà, déjà je serai un petit peu moins à poil avec ma hache et ma pioche. Et j'ai une arme terrible. Ah, oh. Quelqu'un est passé il y a pas longtemps par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cheval? Je peux le dresser ou je le tue pour le manger? Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, non, t'enfuis pas. Je peux pas lancer ma lance. Eh, parce qu'il va peut-être falloir que je pense à manger à un moment donné. Ouais, non, mais ouais, il court beaucoup trop vite. D'accord, bon. D'accord. J'ai aucune chance de le rattraper là. Je vais partir faire autre chose.
D'accord. Je peux récolter ça? Ça se récolte. Ça me permet de faire du tissu. C'est très bien ça. Et alors ça, je peux y ramasser aussi? Ces plantes jaunes. Non? Non, je peux rien en faire ça. Ok. Bon, ça sert à rien. Tant pis. Allez, du tissu. Non, non. C'est pas un jeu dans lequel on cueille des fleurs, hein. Ça ne veut pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé des canettes. Il y a une soirée dans le coin. Qu'est-ce que je peux faire? Du chocolat! C'est génial ça! Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, je la loot. Très bien. Ça, c'est quoi? Un morceau de plan. D'accord. Bon, on va récupérer, hein. On va pas se plaindre tout ça. Hein. Je sais pas qui c'était, je sais pas pourquoi ils ont laissé traîner ça là, mais bah, tant pis. Hein, et... c'est quoi ça là-bas? Ah mais y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. Ah, va falloir que je fasse un container pour récupérer de la flotte et pour boire. Ok. Sympa, sympa. Et là, mais il y a une grotte en fait. Elle est habitée ou... Je sais pas si je fais bien de rentrer là-dedans. Hein. Par contre, c'est étrange, il pleut dans ma grotte. Il y a quelque chose au fond. Est-ce que je peux casser ça? Casse-toi! Non, non, je suis en train de... Je suis en train de bousiller ma pioche, mais je pense pas pouvoir y casser. Parce que je récoltais rien en plus. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est dangereux? C'est un rat? Non? C'est mon cheval de tout à l'heure! Mais t'étais frais il y a 5 minutes! T'étais frais et... Là, t'es décédé, je sais pas pourquoi. Et t'as déjà plein de mouches autour de toi. Bouge. Je peux te looter ou pas? Ah. Ah. D'accord. Ok. J'ai détruit mon loot, si tant est que ça puisse se looter. Et du coup, j'ai rien. Bon. La citrouille. Oui, je prends. Je prends tout ce que je trouve. Voilà, je me sers, je fais comme chez moi. Et qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai du tissu. Oui, d'accord. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des habits? Y a-t-il une utilité à ça? Je peux me faire un marteau, il me faut du bois pour ça, un marteau utilisé pour améliorer ma méthode de construction. Bah je vais le faire, ça pourra peut-être me servir. Vu que c'est pour améliorer les outils. Bon après je rappelle, hein, je suis quand même vraiment en mode découverte, je connais pas encore du tout le jeu. N'hésitez pas à me conseiller, hein,
si vous avez des choses à me dire par rapport à des conseils à me donner. Attends, quand je tapais le gros arbre, ça me donnait 20 de bois. Voilà, c'est plus intéressant. Plus 20, plus 20. Punaise, mais la durabilité de mes objets. Je trouve que ça s'use vite, très vite. Je récolte, hein, tant que t'es là, toi. De toute manière, du bois et de la pierre, c'est ce qu'il me faut. C'est pas dans les cailloux. Non, je peux pas collecter ça. Oh. Oh. Est-ce que je peux me la faire? Elle est coincée en haut. Attaque! Non, pas cela. T'es où? Putain, elle m'a feinté. Reviens ici. Oh mais si c'est le bête. Bon. Bon, bah ciao. Je crois qu'il va falloir que je m'améliore, hein, parce que pour la chasse, peut mieux faire, je pense. Ou du poisson. Ouais. Ouais, il y a peur d'avoir beaucoup de poissons dans ce coin. Alors sinon mon marteau, il en est où ce marteau là? J'ai une citrouille. D'accord. Ah, je peux stocker. Je peux mettre que 1000 de bois dans un de mes blocs d'inventaire. D'accord, d'accord. Le marteau, je peux faire quoi avec? Oui. Non, je vais pas le jeter. Non, mais. Plus un clic droit pour les options. Ok. Ouais, je crois pas que ça s'utilise comme ça. Hein. Donc là, je peux me faire une petite cachette. Ok, sympa. D'accord. Je vais me faire une armoire à outils. Oh putain! Oh putain! Je suis dans mon inventaire et je me fais agresser par un ours. J'ai plus que 7 points de vie. Oh mon dieu! Quelle horreur! Je viens de me faire bouffer par un ours. Ce jeu est impitoyable. Ah, oh, j'y crois pas. J'avais collecté tout ce que j'avais collecté, mais non. Oui, bonjour Arthur. Désolé, j'étais plongé dans mon inventaire avant de me faire bouffer. J'avais pas vu que tu me parlais, désolé, désolé. Donc où est-ce que je me retrouve? Ah ouais, mais voilà, je sais pas où je suis, et j'ai pas de map. Et j'ai plus rien. Ah, c'est magnifique. Bon, ça sert à rien, je collecte rien. J'ai pas moyen de savoir où j'étais.
Ah, j'ai pas de plan, j'ai rien. Et ce bâtiment, je l'avais pas vu, donc. Donc je pense que j'étais pas du tout dans le coin. Quel âge j'ai? J'ai pas loin de la trentaine, on va dire, pour faire simple. Mais je les ai pas encore. Je m'en rapproche petit par petit. Ah, je suis déçu, j'aimerais bien essayer de trouver le coin où je suis mort. Ah, je pense que je suis mort là-bas, pas loin, ouais. Je crois que je sais où je suis mort. J'ai le double de toi. Eh, dis-toi que moi, il y a une époque, j'ai également eu 14-15 ans. Voir le caillou où j'étais tout à l'heure. C'est bien là-bas que j'étais. C'est là-bas où j'ai trouvé mes bouteilles d'alcool. Avec la grotte. Et donc je suis parti par là, près de la mer. Ah mais question qu'on se fait bouffer par un ours, est-ce qu'on peut retrouver nos affaires en fait? Ah mais c'est fou, je reconnais pas. Par là tout à l'heure pourtant. J'étais là. C'est là où j'ai trouvé mon cheval périmé. Il est là. Il est là, cet enfoiré. Non, je connais personne. Je viens tout juste de commencer. En fait, je découvre complètement le jeu. Après, je sais effectivement que c'est conseillé de pas être tout seul parce que le jeu se veut assez dur. D'autant plus que je suis sur un serveur PVP. On sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc je suis bien mort par là-bas, c'est sûr. Putain, mais il y a l'ours. Ah. Je peux faire une base dans la grotte. Ouais, mais je suis pas loin de la zone de spawn de départ, donc je voudrais pas non plus être trop proche des gens. Enfin, déjà, avant d'en arriver, en plus, à parler de base. J'essaie déjà de collecter un minimum de ressources et voir les premières choses que je peux faire avec la hache, la lance et la pioche que j'avais. Je suis mort dans le coin. Je peux retrouver mes ressources au moins ou pas? Ou elles sont définitivement perdues parce que je me suis fait bouffer par l'ours?
Très bien. Ok. Après, évidemment, si le jeu est réaliste, faut pas que je m'attende à trouver une aura autour de mon ancien cadavre. Ah, j'étais par là, hein, mais je crois que je vais pas remettre la main dessus, hein. Va falloir que je fasse une croix sur mes loots. C'est dommage, j'avais des barres de chocolat. Ok, donc tu me dis que je peux retrouver mon corps. Bon bah. C'était quelque part par là, mais... Et je vais retrouver un corps ou c'est plutôt un sac à looter? Un peu de hauteur. Si je peux. Où es-tu, mon cadavre? Où te caches-tu? Ah, ça là-bas. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose. Non, des fleurs? C'est ça que j'ai vu? Du soufre. En plus, il va bientôt faire nuit, je vais rien avoir, je vais être à poil. Enfin, je vais être à poil, je suis à poil. Bon, après, on va dire que j'ai eu de la chance, j'ai pas encore rencontré d'autres joueurs humains donc. J'ai pas eu trop de soucis avec eux. Non, je peux pas collecter là, les roseaux. Ah, mais j'étais pas allé jusque-là.
fois que ça va être la nuit, je vais plus rien avoir. Et je vais être obligé de dire adieu à mon cadavre si je vois plus rien. Pourquoi tu veux que je suive la plage? Les maps sont générées aléatoirement en plus, donc je sais pas du tout ce que je vais trouver au bout de la plage. Un sanglier là-bas. J'ai pas de bois. J'ai pas de bois. Je vais récupérer un peu de bois quand même. Je suis très habile. Ah, mais le pire, c'est que je sais que mon cadavre, il est pas loin. Ah, je suis obligé de mettre une croix sur mon corps. Hein. Ouais. Tant pis, tant pis. Pour me construire une hache, il me fallait quoi? Hache en pierre, 200 de bois et 100 de pierre. La pierre, je l'ai. On va finir de récupérer le bois. Allez. Oh mais le sanglier j'ai abdiqué hein. Je vais pas commencer à les courir après hein. J'ai pas le skill nécessaire hein. J'ai essayé de me refaire rapidement une pioche et une lance pour me défendre. Et je vais peut-être retourner dans la grotte après que j'avais repéré pour m'y installer tranquillou, peut-être le temps de la nuit. D'ailleurs, je me demande ce que je vais pouvoir faire la nuit si on n'y voit rien. Bon, et je suis en tapé, je vois même pas où je tape. Faut que je me trouve un caillou maintenant. Un caillou à taper. Alors, je collecte rien du tout. Oh, des bruits de loup. Comme c'est rassurant. Je sens que je vais avoir une faim atroce. Non, je récolte rien là. Où est-ce qu'il y a un caillou que je peux collecter, s'il vous plaît? Ah, rien.
Hey, j'ai pas assez de pierre là, il me faut de la pierre. Ah mais c'est fou, je peux pas que... Il y a du caillou partout, mais je peux pas les collecter, ceux-là. Au secours! Celui-là peut-être? Non. Ce jeu n'est absolument pas rassurant. Que je me fasse bouffer par un grizzly pendant que j'étais dans mon inventaire. J'ai vraiment pas eu de chance. Ce jeu ne pardonne pas. Mais il n'y a pas de caillasse dans ce pays. D'accord. Et de la caillasse à casser. Je me disais que peut-être que la torche s'allumerait vu que c'est la nuit. Et non, et à mon avis, il va falloir quelque chose pour l'allumer. Et quoi, je ne sais pas, je n'ai rien de toute manière. Et je commence à y voir à rien du tout. Je peux peut-être essayer de me percher sur un rocher le temps d'une nuit. Je sais pas du tout si les nuits sont dangereuses en fait dans le jeu. Ah, Swag me dit que non. Bon, je pense que je vais profiter aussi de la nuit pour arrêter là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je trouve un sac de couchage. Je peux pas le renommer. Je peux pas le piquer? J'ai eu tissu. Non? Ah oui, si. Je vais me faire un feu. Je vais me faire un feu. Oh, une minute pour se faire un feu. Tu vois vraiment plus rien. Ouais, tu me dis que j'ai une torche, je fais quoi avec ma torche? Ah, oh, le clic droit, c'est magique. Et soit qui est en train de m'expliquer que si je déco, je ne bougerai pas, je resterai au même endroit et donc je pourrais me faire tuer à tout moment. D'accord, c'est fabuleux, c'est juste super dangereux. Pas moyen de te creuser un trou et de t'enterrer dedans. Mais moi j'ai le même avantage. Je trouve un mec qui bouge pas en fait, c'est qu'il a des... Solide au moins les maisons. Ah donc faut que je me fasse une maison.
Une petite pioche. Je mets une pioche. Une maison sans faille. Comment je fais ça? Tu sais que ça serait plus fun hein, si tu me rejoignais. Oui, il faut aller manger. Non, je vais arrêter, je vais couper le stream là et quitte à reprendre un peu plus tard. Ça permet au moins de faire. C'est pas de me faire une petite découverte, je connaissais pas du tout le jeu donc. Je le prends. Quoi, il est très bien mon caillou. Laisse-moi collecter tranquillement. M'embête pas. J'ai vu. Je vais me cacher. Où puis-je me cacher? J'ai trop froid. Je peux mourir de faim ou de froid pendant que je déco? Là, tout à l'heure j'avais trouvé une grotte mais je sais plus du tout aller maintenant. Donc... Par contre la nuit était courte, ça c'est cool. Et si je fais un clic droit avec ma hache, ça fait quelque chose? Ah, je la jette. Ah oui, ouais. Donc le clic droit, je le fais qu'avec la torche. Ah, mais ça m'a consommé ma torche, en fait, j'avais pas fait gaffe. Ah, je suis triste, j'avais collecté plein de tissus en plus tout à l'heure avant de mourir. Il court plus vite que moi, le grizzly. Dans les cailloux là-bas. Et une parabole. Et je me dis, quand tu joues avec quelqu'un. Ah, je suis en train d'avoir peur. Quand tu joues avec quelqu'un, ça doit être chaud de le retrouver parce que tu spawns pas forcément au même endroit que lui. D'accord. Par téléphone. Non, je n'ai pas mon numéro de téléphone pour qu'on m'explique les bases du jeu. Non. Ah, mais j'ai Swag qui est en train de m'expliquer un peu tout ça parce qu'elle avait déjà commencé à y jouer en parallèle. Non, pas en parallèle, avant moi même. Avant moi. Mais bon, d'accord, tu vois, c'est une débutante, mais. Là, non. Là, ça me paraît bien. Mais là on me verrait de loin. Bon, tout bien, c'est pas pour le nombre de ressources que j'ai hein, que. Allez, je vais dans le buisson. Je m'arrête là et puis on se retrouvera peut-être plus tard. Ok, bon ben bonne soirée à tous, c'était la première vidéo sur Rust, certainement pas la dernière, dans laquelle on pourra voir à quel point je galère pour survivre. Mais je vais progresser. Bon du coup, en tout cas, merci pour votre aide, merci Arthur pour tes conseils, et puis peut-être à une prochaine fois. Si tu veux nous suivre, hein, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ou sinon on a notre YouTube sur lequel on met tous nos streams qu'on peut retrouver par la suite. Et voilà, donc du coup, ben, bonne soirée et puis à une prochaine fois. Ciao.